Bonjour, je suis Exdarken, et c'est sur cette voix sensuelle et sexy que je vais vous présenter un walkthrough de Resident Evil Révélation. Bon, je pars un peu en couille des débuts, mais salut, c'est Exdarken et j'avais envie de vous montrer un petit walkthrough de ce spin-off sur 3DS. Donc il s'agit de Resident Evil Révélation. Interdit moins de 16 ans, donc si t'as moins de 16 ans, ben t'as pas le droit de regarder. Hein. Édité, développé par Capcom, sorti le 27 janvier 2012 en France. Et c'est un action survival horror. Bon, plus action encore une fois que survival. C'est un bon petit spin-off sur 3DS. Et j'avais envie de vous le montrer. J'ai la 3DS, une petite caméra. Bah, les mises au point sont pas super jolies, je me suis dit allez, bah pourquoi pas hein. Et je vous laisse regarder cette cinématique avec une qualité graphique incroyable pour de la 3DS. Ça c'est une bonne qualité graphique. Petit chargement et on se lance dans le jeu. Alors on est sur un bateau en pleine mer Méditerranée et on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Ben on cherche Chris et son amie Jessica qui ont été perdus et leur radar indique qu'ils sont ici. Donc petite cloche qui sonne le glas, le début, le point de départ. Et je me suis dit ben si on tire dessus. Et oui, ça fait bien le bruit. La 3DS est plus puissante qu'une PS3 ou pas? Pour ce jeu-là, j'utilise le circuit pad qui est vachement plus pratique. Bon après 20 € c'est un peu du foutage de gueule. Alors je m'en sers de porte-savon pour utiliser un petit peu le truc parce que sinon c'est un peu de la moquerie. On voit des corps mutilés partout. On avance dans le noir. Et oui. Une petite mise en ambiance qui rappelle les premiers. Et un truc bizarre qui sort d'un conduit, un truc qui me fait penser à quelque chose de bizarre. Et on voit les caniveaux bouger, hein. Les caniveaux, je sais même plus comment on peut appeler ça. Les conduits d'aération. Les conduits d'aération. Une nouvelle mutation. Et ouais, nouveau virus. Bah, Resident Evil, un virus. On continue à avancer. On se perd un petit peu. C'est un peu le dédale au début. Un peu perdu. Donc j'utilise ouais, le circle pad. À savoir qu'on peut l'enlever. On peut jouer à la troisième personne en visant comme à la première personne. Là j'ai mis la troisième personne. On peut jouer en français, en espagnol, en italien, en toutes les langues européennes. Et même en japonais. J'ai mis la V anglaise. Je trouve vachement plus belle la voix japonaise, c'est un peu de l'exagération et la VF, c'est un peu du foutage de gueule. Et on va affronter notre premier monstre qui n'est pas
un zombie qui n'est pas un plaga, mais un ooze. Nouveau virus, nos ennemis. Bou. Premier ennemi, bon bah tout con à buter, hein, quelques balles de flingue et ça suffit. C'est le premier, on va pas nous foutre un boss dès le premier coup, non? Et ça saigne. Et voilà, c'est la fin de cette première introduction, on va dire. On va passer à la suite quand j'aurai fini l'autre vidéo. Épisode 1 dans les profondeurs qui sortira très bientôt sur votre écran de PC.